mon Créateur. À tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux apprendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut. En ta présence, ô mon Créateur, à tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux apprendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut. Tu remplis de ton esprit.
quoi le niveau de pH dans l'eau ou potentiel d'hydrogène dans l'eau. C'est la concentration en ions d'hydrogène qui représente l'acidité ou l'alcalinité de l'eau. Il varie entre 0 à 14. De 0 à 6.5, l'eau est acidique ou pas carbone. 7.0, l'eau est neutre. C'est de l'eau qui est purifiée. Si bébé boit, et ou capable de prendre médicament. De 7.5 à 14, l'eau est alcaline ou basique. De l'eau ça ou ka boil et ou ka fait en pile l'autre bagaille avec lui. Gen deux moyens ou capable utiliser pour tester pH yon de l'eau. Premièrement, ou ka utiliser un testeur digital. Deuxièmement, ou capable utiliser un testeur liquide. Ou prend deux cuillerées de l'eau ou mettez non verre qui est transparent. Ou ajouter 3 gouttes dans liquide. Chaque qualité de l'eau ou utiliser capable prend une couleur différente. Si de l'eau a li rouge, ça veut dire li 4.0, li acidique 3. L'eau ça ou pas ka boil ou ka utiliser pour la VVC. Si de l'eau a vini jaune, li 5.0, li acidique 2, ou pas ka boil non plus, ou utiliser pour laver fruit. Si de l'eau a vini vert pâle, les 6.0 à 6.5, de l'eau ça acidique 1, ou pas qu'à boire non plus, c'est de l'eau pour laver visage. Si de l'eau a vini vert foncé, les 7.0 li neutre. Si bébé capable boel ou ka utiliser le tout pour prendre médicament. Si de l'eau a vini bleu pâle, li 7.5 à 8.0, li alcaline 1, ou capable boire de l'eau ça et faire l'autre bagaille avec. Si de l'eau a vini bleu foncé, li 8.5 à 9.0, li alcaline 2. Ou capable boire de l'eau ça tout, ou capable cuite manger avec lui. Maintenant si de l'eau a vini mauve ou bien violet, li 9.5 à 14. Li alcaline 3. Glossa li pi bon pour boire toujours. Et ou ka fè l'autre bagay avec. Ou konnè an pile moun ki fè cancer colon. Docteur kon recommande yo acheter machine ki gen possibilité ba yo non seulement tout glossa yo, mais en particulier ça qui 9.5 rivé jusqu'à 14. En ce qui concerne l'eau qui dans tuyau la caillou, logiquement l'eau ça ta doué acidique, mais gros autorité yo qui connaît si l'eau ça vient la caillou comme ça l'a gâté tout tuyau qu'en bataille. Maintenant, il permet de l'eau savine de joindre nous tant qu'on son de l'eau qui alcaline, c'est pas vrai. Raison c'est parce que vous besoin protéger tuyau la caillou, tuyau qui en bataille
yo fait de l'eau vini bleu pour yo capable protéger tuyau, mais de l'eau ça vraiment li pas un bon alcaline. Moi invite ou suivre avec un pile attention comment tester liquide là pour permettre que de l'eau change couleur face à potentiel hydrogène ou bien pH qui dans de l'eau.
dit, travail là en pile, pas gain ouvrier. Mais puisque nous-mêmes qui voulons aller, Jésus t'a dit, Pierre, avancez en plein eau. J'étais filé à, et il t'a obéi. Il t'a fait un grand, il t'a fait un gros la pêche, il t'a quimbé en pile poisson. Mais nous croyons que, même si on va devenir, nous croyons que bon Dieu permet tout, venir prendre un dernier goutte de l'eau, fourrer cap couler par bord ici, afin que nous capables de jouer une bénédiction par nous. Sous mot ça, quand ces gens prêtent voir, nous capables de souhaiter nous tous bienvenus dans un programme à soir. Pour nous commencer, sous l'ordre maestro, nous allons chanter ensemble au numéro 32. Que bon Dieu cap bénit nous. Et une bonne participation dans le programme Asrea. Bienvenue à Jésus, t'appelle aujourd'hui. En nous campant, nous chanter ensemble, nous commençons à réunir Asrea. Bienvenue à Jésus, t'appelle aujourd'hui. Lap kafe. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Pour longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui est la nuit. On a pris la même position et nous a coupé tête nous légèrement pour invocation. Mon Dieu, Papa, nous créons dans le ciel là. À toi la louange, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Nous vous remercions pour journée ça, qui est chargé avec un pile d'activité pour te faire passer en bien sous protection. Et c'est si vrai que vous promettez nos protections depuis nos prières dans le nom petit tout à Jésus, qui toujours gagne des anges puissants pour escorter nous, côté nous pour aller, pour protéger nous. Et c'est ça que fait nous venir dans le ministère, nous venir offrir un programme. Nous ne pouvons pas prêcher nous, faire grâce à la puissance du Saint-Esprit et assister nous du haut de ton ciel, que tout ça qui va faire dans notre programme sera capable de bénéfique pour chacun de nous, pour notre salut éternel. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Courrier, nous suivons avec attention notre coordonnateur, Renan Pierre, dans le mot. Annonce Lio. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, de partout, nous comptons après-midi à soyons pour nous capables d'entrer la caillou. Jeudi, c'est lundi 15 août. Nous avons la troisième semaine croisade évangélisation qui a organisé ici à Beersheba, à Deerfield Beach, Florida. Nous venons pour nous capables présenter les annonces et pour nous saluer également. Nous espérons que nous avons passé une très bonne journée. Tout le monde qui est sorti, nous entrer là avec nous. C'est grâce à la protection grand maître là qui permet que nous sortions et nous rentrions là avec nous. Nous saluons chaque individuellement qui a occupé nous de
tout ça nous a fait, nous a demandé pour prendre un petit temps pour capable suivre avec nous le programme dans Assoya parce que nous avons besoin de vous. Et annonce nous pour Assoya, demain soir, si Dieu veut, c'est mardi, nous avons commencé le programme comme d'habitude à 7h50. Nous commençons aussitôt, c'est pour permettre que nous baillons assez de temps à prédicateur là pour être capable de délivrer son message qui est si palpitant d'intérêt. Alors, demain soir, si vous venez après 8h ou après que nous commençons, et si vous voulez commencer ensemble avec nous, c'est à 7h50 que nous siégeons pour nous commencer le programme là à partir de demain, si Dieu veut. Alors, bien entendu, depuis semaine dernière, et à Soya, on a commencé exactement à 7h50. Ensuite, l'autre annonce que nous gagnons pour vous, nous gagnons les boîtes. Une boîte à prière, et puis on l'autre boîte pour offrande. Boîte pour prière en plus gros, et boîte pour offrande en plus petit. Autant de prières pour gagner, on voulait adresser à l'Éternel chaque jour, ou capable porter au vini dans boîte là. Nous dit n'a pour dit il n'y a rien de magie dans la boîte. C'est en question de foi. Parce on monde vient prier sous boîte là et ou même foi que on fait à ça ou faire hein, monde qu'on voit lettre en balien, petit papier qu'on écrit hein, ou fait foi dans ça ou mandé là et mais vous mettez foi là dans ni la résoudre problème dans vous. La résoudre question qu'on posait, hein, la bonne solution à problème yo, et réponse à problème ou à question qu'on posait. Yo. Si boîte qui vit petit, hein, c'est boîte pour capable déposer offrande ou pour capable aider nous avec le coût de la croisade et pour capable mettre ça en vrai, ça qui n'en proche ou ça qui fera au plaisir là, capable déposer dans boîte là et ça a aider nous avec le coût de la croisade. Nous dit souvent que l'évangile est gratuit, mais pour vivre vivre genou l'évangile coûte très cher. Ça, vendredi soir, si Dieu veut, n'a pas ramassé une offrande volontaire. Vendredi soir, n'a pas ramassé une offrande et jeudi pas gagné, mercredi, n'a pas remettre enveloppe à tout le monde qui n'a assistance là et n'a demandé monde qui la caillou qui pas gagné enveloppe et que n'a bail mercredi soir, yo capable porter offrande yo dans enveloppe pa yo et n'a pas ramassé offrande ça vendredi soir si Dieu veut. Juste avant le baptême. N'a pas une cérémonie de baptême vendredi soir si Dieu veut. Nous invitons tout le monde qui peut plonger dans l'eau, qui peut marier avec maître là pour capable faire plein pour que vendredi soir si Dieu veut vous plongez dans l'eau pour marier avec le Seigneur. C'est un bel avantage qu'on pas perdu et ça ou gain intérêt la dani, ou gain intérêt pour faire parce que l'homme marié avec Jésus c'est plus beau mariage qu'on a fait dans la vie. Et dernier bagage, on a dit pour nous capables de plier bagage nous. Assoyons pas une rubrique. Demain, si je veux, on a fini avec rubrique sur affaire légale. On a parlé de amendements de constitution américaine. On a parlé de plusieurs amendements. First Amendment, Second Amendment, Fifth Amendment, etc. De M. Vena Palo, qui rôle chaque amendement yo, et qui leur ka utilise yo. Parce que yo tout c'est pour bien-être nous, mais faut nous connaître qui j'ai pour nous utiliser yo. Alors, pendant quoi ça là, ou venez dans l'évangile, c'est pour aller avec autant de bagay qu'on ka porter de l'évangile, parce que ou jouez un message, et n'a fait tout ça de capable tout pour nous baou bagay que ou a besoin dans vie sociale ou, et dans vie légale ou tout. Nous dit que nous pas ba au conseil légal, nous ba au information légale. Alors, c'est là la prière pour information pour soir. Nous c'est une passion très bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse tous. Et maintenant nous allons passer à la prière d'intercession par frère Joël, nous va chanter cantique là, confirme dans Dieu et après frère Joël a venu pour adresser la prière d'intercession. Merci. Nous chantons ensemble.
chante ensemble avec. Confier mon Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie ça. Papa nan ciel la, papa nan ciel la, apé veye, mwen confie nan Dieu, confie nan Dieu, konne la pran, soin mwen nan deseya, la, on a mouré, chemin, la main poussée. Papa nan ciel la, papa nan ciel la, apé veye mwen, confie nan Dieu, confie nan Dieu, konne la pran, soin mwen nan deseya, o nan mouré chemin nan mè poussé. Papa nan ciel la, papa nan ciel la, apé veye mwen. Mes frères et sœurs, nous sentons-nous contents à soir. Oui, nous sentons-nous contents pour nous capables là à soir. Pour nous capables chanter, pour nous capables prier papa bon Dieu. Nous gagnons liste à soir qui devant nous. Mais avant même que nous lisons liste là, m'a dit nous-mêmes qui là, qui venons là, qui choisit pour nous capables venir devant. Comme depuis croisade la commencé, yo fait nous connait, yo mette yon boîte là pour nous capables mettre requête de prière. Mais fait capable dit nous que pas gain rien de magie dans boîte de prière. Et fait capable dit nous que depuis nous chanter hein, si nous bien suivre chanter hein, li di confier nan Dieu. Lan mette confiance nou nan bon Dieu, pa gen anyen ke l pa kapab fè pou nou. Lis aswaya nou pou al priye pou yo. Mais pendant ke nan priye, se yo menm pou ki mette confiance yo nan bon Dieu. C'est eux même pour qui capable de gagner la foi dans bon Dieu. Gen moun lè yo a bay un testimony, y a bay un témoignage, gen moun kap di ou kwè c'est vrai. Fèn capable di ou kwè c'est vrai. Parce que si nous prenons exemple côté yon fille te malade dans Bible. Yon fille te malade pendant 12 ans. Et puis, li fin dépense tout sa kel genye. Nou konnen histoire bien, mesdames yo. Le yon moun abay san pendant 12 ans. Se pa 12 mois. Se pa 12 semaines. Se pa 12 jours. Mais c'est 12 ans. La fille la y témoigne fait connaître wop Jésus seulement qui y touche. En pile monde ta va dire comme ça, comment on ta va faire pour toucher wop Jésus seulement et puis ou gagne. Comme ça tout gen monde qui vini là. C'est un petit papier seulement le mettez là. Li vini li mette petit papier à seulement. C'est man li écrit problème ni, li mette papier. Et puis li trouve guérison. Mais là où vous pouvez guérison ça yo mes frères et sœurs, vinn témoigner.
pour l'autre capable gagner même force là, même courage là pour être capable venir agir foi yo dans mon Dieu. Faut être capable dire nous assurer on a pas le prier pour frère Féville Enez ou c'est Féville Enez pour vie spirituelle. Et nous pour prier pour frère Georges Pierre pour guérison, c'est Annie Jabouin pour guérison, Wesley Saint-Ville pour guérison, Lydie Dorsilien pour guérison, Sabahel Charles, bénédiction spirituelle, Mondelo Charles, bénédiction spirituelle, John Asher, Jean Vilma, bénédiction spirituelle, Rosemont Tia Dossa, bénédiction spirituelle, Léa Chael Perret Charles, bénédiction spirituelle, c'est Francina Desilus, guérison, et c'est Magali Diegis pour le capable gagner courage pour le supporter. Nous-mêmes qui là, nous pouvons mettre à genoux. Et ça, la caille, nous capable mettre à genoux avec nous. Pour nous capables prier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des amis. Papa, nous qui en haut dans le ciel là, ou même qui mérite gloire, ou même qui mérite honneur, louange. Et après ou papa, pas de gagner l'autre bon Dieu tant que pour soyer, pour soyer fait, pour savoir continuer fait pour nous, petit tout. Papa, nous venons devant asseoir. Nous venons pour nous capables de chanter louange, pour nous capables de battre gloire. Mais, même côté à tout Seigneur, nous venons, nous écrit une lettre. Lettre ça nous écrit, c'est lettre problème. Il y a ça qui écrit qui besoin yon petit. Il y a ça tout qui finit yon petit là, mais petit là a pas problème. Il y a ça qui écrit lettre yo, c'est pour maladie. Gen ça qui écrit Seigneur pour résidence. Gen ça qui écrit lettre yo tout Seigneur. C'est vie yo ta remet en harmonie avec. Chaque l'heure yo vle servir ou, mais ennemi en vini pour capable décourager ou. Chaque l'heure yo vle prendre une décision pour capable accepter ou, pour capable servir ou, mais ennemi en décourager ou. Papa, gayon liste que nous sot cité non foi et c'est nous qui gain problème qui besoin guérison qui besoin courage qui besoin vie spirituelle yo pour yo capable attacher avec ou plus et gain moun Seigneur qui vini là qui pas même mette yon petit papier même mais ou est yo ou connaît yo n'a mandé ou souple Seigneur que ou capable avec famille qui a souffri yo. Famille qui n'a problème yo. Et nous pas jamais manquer Seigneur pour nous capable prier ou pour pays d'Haïti. Yon pays qui a souffri depuis longtemps. Yon pays que on connaît plus que nous Seigneur. Assoir. Nous venir dans pied ou Seigneur, nous venir pour nous capable agir foi nous dans ou parce que c'est celle où nous gagne. Nous pas gagne l'autre secours, nous pas gagne l'autre recours. Papa, assoya, si nous jouons grâce devant vous, Seigneur, guéris-nous, s'il vous plaît. Si nous jouons grâce devant vous, Seigneur, résoudre problème pour nous, s'il vous plaît, Seigneur. Si nous jouons grâce devant vous, Seigneur, assoya, fais-nous capables plus attachés avec vous, Seigneur. Fais vie spirituelle, nous, capables de rester collés avec vous, Seigneur. Pour les retourner, nous n'avons pas le perdu, mais nous avons hérité le royaume des cieux. Dans ce moment ça, nous pas manquer prier pour Pasteur Chelo. Pasteur Chelo, que vous connaissez plus que nous avons plus que 2 semaines depuis que l'a prêché pour vous, Seigneur.
La prêche parole là. Papa, ou même qui connaît que yo qui plie du. N'a demandé ou souple Seigneur, que ou capable rentrer dans que ça yo, ou capable faire un lavage, ou capable faire yo venir à la repentance. Et nous même tout Seigneur qui déjà accepté ou. N'a demandé ou souple Seigneur, pas quitter parole ça yo que nous tendez capable sortir dans oreille nous. Mais fais-nous capable de rester connecté avec vous jusqu'à ce que vous retournez. Lavez-nous complètement, délivrez-nous Seigneur. Nous connaissons pas force nous pas qu'à faire un monde accepter vous. Mais Seigneur, si vous mettez force, si vous mettez force dans faiblesse petite ou cap souffrir qui marre depuis longtemps, que nous connaissons Seigneur, chaîne ça va casser, il va venir accepter pour l'état et pour l'éternité. Restez avec nous, pardonnez péché nous, tendez cri nous au nom de Jésus qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est l'heure pour le capable faire louange pour le Seigneur. Est-ce que vous n'avez pas mérité louange à adoration, nous, chers frères et sœurs? Eh bien, à nous camper pour le capable chanter louange Seigneur. Technologie, s'il vous plaît. À nous chanter amour Jésus. De tout mon cœur, de tout mon cœur, la
Bye.
retrouver dans le moment où on va chanter Chantez-moi croisade lance sur le chemin va sans peur. Car Jésus est devant toi, il peut être ton sauveur, ou suis-le par la foi. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Amen. Nous comptons avec nous, en soyant encore une autre fois, nous remercions pour Dieu qui fait nous passer une bonne journée. Je souhaite que nous, chaque qui est là, en soyant, nous passions une bonne journée à la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Bon Dieu, bon. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous à travers et à travers les ondes. Nous saluons Asoya, tout le monde qui est sur YouTube, Facebook. Bonsoir et bienvenue, MODH, The Gospel Creole Ministry. Bonsoir et bienvenue, tout le monde qui a suivi nous. Nous capables de dire Asoya, dans Beersheba. Bonsoir et bienvenue, son plaisir, pour que nous capables d'accueillir nous dans la présence de notre Père et notre Dieu. Nous allons continuer, bien aimé dans le Seigneur, ensemble avec Rescampala. Je dis à déjà lundi, nous bénis le nom de l'Éternel pour cela. Amen. Et je dis à lundi, bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait grâce. Je pense que je dis à c'était mardi. C'est à l'heure, Pasteur Shepherd dit que non, je dis à pas mardi, je dis à lundi. Par contre, pour que ça me bise, je joue au courir vite. Mais. Nous qu'à comprendre bien aimé, nous qu'à comprendre. On va pas se faire tripoter, mais nous qu'à comprendre. Nous qu'à comprendre. Mais bon Dieu fait grâce, bon Dieu fait grâce. Eh bien, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Moi, invitez nous, bien aimé, pour nous capables prier avec nous à soya. Moi, des papa, bon Dieu, pour que nous capables prendre contrôle de situation pour nous. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons, nous glorifions pour soyer, pour soyer décidé fait dans la vie nous. Quand on sortit avec nous, pour ça que nous y sommes aujourd'hui, que nous sommes capables de bénir, exalter et louer. Nous demandons pardon pour nos péchés, que tu nous acceptes tels que nous sommes, et que nous sommes capables de manifester gloire à travers nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. All right. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez en attendant tout le monde, et tout ça qui est capable, de 11h. Après campagne d'évangélisation, hein, pour monde qui est capable de 11h à minuit, Kaish, dans SOS 911, minuit délivrance, dans The Restored Ministry, on a peut-être tout le monde venir prier ensemble avec nous, on a prié spécifiquement pour campagne d'évangélisation, hein, pendant la semaine. Amen, frères et sœurs. Amen. Plus de prières. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right, on nous récite prière nous ensemble. On nous dit, si l'il est dans la Bible, lisez pour moi. S'il n'est pas dans la Bible, lis pas pour moi. Aidez-moi, Seigneur,
Et parole ça y est en pratique. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hier soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu une chance pour que nous soyons capables de voir ensemble ça que nous sommes capables de briller. Nous avons commencé ensemble avec les sept plaies. Mais hier soir, nous avons eu les quatre premières plaies, bien-aimés dans le Seigneur, que nous connaissons, c'est sûr, que nous avons eu une chance pour nous finir ensemble avec vous, que nous espérons. Et pour que nous capables ouais lui même même lancer ça sujet nous assoya bien aimé ligué comme titre l'Armageddon qui titre sujet assoya bien aimé dans le Seigneur l'Armageddon et nous content pour que nous capables dire ou bien aimé gain sujet ça qu'on est gain pile monde qui tendait parler de sujet ça gain pile monde qui intéressé de sujet ça et nous connaît nous ouais lui dans tout journal nous ouais lui bien aimé dans le Seigneur capable de dans tout papier, mais à souhait, à nous essayer pour nous voir que dit la Bible, pas selon sa journal le dit, mais qui sa l'éternel, lui-même, lui gagne pour lui capable d'enseigner nous à souhait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. So, il y a des gens qui pensaient que, là, ils ont parlé de, et l'Armageddon, c'est un grand conflit cosmique, entre le capable dire l'aime dire un grand conflit désolé c'est un grand conflit militaire et pas cosmique d'ab dire un grand conflit militaire peut-être nous capable dire entre les États-Unis ou bien la Russie ou bien nous capable dire que monde qui pensait c'est deux et c'est l'Israël bien-aimé dans le Seigneur ensemble avec capable dire les États les États Emirates the Emirate States et il y a pile monde qui pensait que c'est guerre ça que nous gagnons aujourd'hui entre la Russie et puis ensemble avec l'Ukraine et qui pensait que et lorsque on parlait nous de conflit ça et ou bien ça nous relait bataille d'Armageddon hein, c'est pas lui une bataille politique ou bien une bataille capable dit et une bataille de armes de chars de guerre mais si c'est ça comment la fête avec quel pays et qui côté la fête. Et si c'est pas ça tout, et qui ça qui bataille Armageddon? Nous allons voir cela ce soir. Il y a des gens qui pensaient aussi, bien aimé, c'est ça que nous capables de briller, c'est un désastre nucléaire qui prend, et c'est peut-être ça qu'un pile monde censé peur parce que vous pensez tellement des gens qui ont essayé de gros âmes. Je ne j'en dis pas, spécialement ensemble avec un pile nucléaire à la caillou. Yo peur que si l'autre guerre mondiale t'a éclaté, bien aimé dans le Seigneur, pour que un désastre nucléaire pas parti dans le monde pour pas effacer notre planète. Et il y a des gens qui disent, est-ce que c'est un désastre nucléaire qui va lier Pasteur Pierre? Et ça, vérité pour nous. Et il y a des gens qui pensaient que, bien aimé dans le Seigneur, si c'est pas une bataille militaire, c'est pas un désastre nucléaire. Peut-être, bien aimé dans le Seigneur, c'est une pénurie de nourriture et d'eau. C'est ça que nous sommes capables de relayer, un manque de nourriture. Parce que, je ne vous dis pas, et, nous capables de dire le monde tellement peuplé, libre des milliers d'années, bien aimé dans le Seigneur, avant que nous gagnions des milliards de personnes sur la terre. Et ils ont raconté maintenant, libre moins de 100 années pour qu'ils soient capables de gagner l'autre milliard encore. Et là, au cas des gens bagala fini là, jodia, et peut-être jodia, il dit que nous avons à peu près 7 milliards d'habitants sur cette terre. En 2050, il a projeté, bien aimé, nous avons gagné un minimum de 12 à 13 milliards de personnes sur cette terre. Et il a posé peut-être nos questions. Jean nous est là, nous pas qu'à manger. L'homme dit nous pas qu'à manger. Alors qu'on a un petit pays pas capable de manger, un petit côté pas capable de nourriture. Et il a posé peut-être nos questions. Est-ce que c'est pas une pénurie de nourriture? Bien aimé dans le Seigneur qui va déclencher bataille ça, qui est la bataille d'Armageddon. Et c'est ça que nous parlons. Est-ce que c'est ça, bien aimé dans le Seigneur? Et il y a l'autre monde qui dit, peut-être si c'est pas une bataille militaire, peut-être bien aimé dans le Seigneur, si c'est pas une bataille, capable de dire, si on désastre nucléaire, si c'est pour une pénurie de nourriture et d'eau, et peut-être bien aimé son pandémie, c'est ça que nous appelons une pandémie, son pandémie mondiale. Il y a un peu de monde qui était pensé, peut-être c'était Ebola, il y a un peu de monde qui était pensé, c'était SARS, il y a un peu de monde qui, je ne veux dire, qui même pensait, c'est ça que nous, il est.
COVID-19. Ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, et ça, ils ont déjà prédit, et ils ont pensé que c'est une pandémie mondiale qui est capable de venir ensemble avec ça que nous avons appelé la bataille d'Armageddon et qui peut marquer la fin. La fin de notre monde. Il y a l'autre monde qui pensait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une collision d'astéroïdes. Côté que, yo pral penser, bien-aimé dans le Seigneur, yo astéroïde qui a sorti exactement dans l'espace et qui pral venir, pral faire une collision à notre planète et puis pral faire une explosion et puis planète noire, lui-même, lui pral craser. Par contre, si nous songeons en 99, quand j'étais petit, et en 99, t'es qu'on bagaille qui t'a prôné, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que, quand pile monde qui t'a accepté l'évangile. Parce que t'es dit qu'on s'attaque qu'on gros roche. Par contre, si nous t'es qu'on a débarqué ça, qu'on gros roche qui a sorti dans l'espace, qui a frappé ensemble avec la terre, et c'est pour la fin du monde en 2000. Nous passons des bagages ça. Nous pas tant des bagages ça. Ok, il y a un peu de monde qui toujours pensait bien aimé dans le Seigneur, son collision d'astéroïdes qui pourrait arriver sur la planète noire, et c'est ça qui pourrait marquer ça que nous avons brûlé, la bataille d'Armageddon, qui pourrait marquer la fin de notre planète. Et nous connaissons à cause de cela, Bruce Willis, lui-même, il fait un movie, parce que j'ai l'autre petit mouvement, peut-être tout est qu'un petit mouvement, ça. Et de Bruce Willis, bien-aimé dans le Seigneur, qui présentait même idée que nous sommes partagés ensemble avec nous là. Quel monde qui pensait, bien-aimé, si c'est pas une collision d'astéroïdes avec notre planète, mais peut-être, bien-aimé, c'est un changement climatique qui est capable de gagner, bien-aimé dans le Seigneur. Tant d'autres questions qui sont capables de finir, quel monde qui dit comme ça, peut-être c'est le changement de calendrier de Maya, il y a des gens qui disent, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a un paquet de lot et peut-être extraterrestres qui pourraient venir sur notre planète, qui pourraient vivre sur notre planète. Et c'est ça qui pourrait marquer, ça que nous avons appelé Armageddon. Maintenant, tout ça qui dit là, qui est-ce qui est vrai? Dans tout ça qui dit là, dans tout ça que les hommes peut-être pensaient bien aimé dans le Seigneur, qui laisse qui vrai? Encore à soya, moi invitez nous pour nous retourner qui boit bien aimé. M'battant des peuples là, n'a retourné qui boit bien aimé. N'a retourné qui boit bien aimé. La Bible qui est solution avec tout problème, les qui réponse avec toutes nos questions bien aimé. Est-ce qu'on d'accord avec ça bien aimé? Amen. Si on a retourné dans la Bible, que dit la parole de Dieu? L'Armageddon, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vais dire à soya, ou même qui croit que, et hier soir, pendant que nous étions dans le livre de l'Apocalypse, nous étions les quatre premiers fléaux qui étaient tombés sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, nous songeons premier fléau qui était tombé sur les eaux. Amen. Nous songeons ça? Premier fléau qui était tombé sur les eaux. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, deuxième fléau, sous qui ça était tombé, bien-aimé? Deuxième fléau a été tombé sur la mer. Et nous songez ça. Et deuxième fléau a été tombé sur la mer. Et troisième fléau, qui s'est dit encore bien aimé? Battant des peuples là, non? Ok. So, ça veut dire que, bon Dieu, nous avons tout bagage qui est arrivé hier soir. Mais ça qui était intéressant, c'est que, yo dit que c'était le monde qui était recevoir. Mac bête là et monde qui était adoré bête là bagage ça était tombé sur yo et va bien aimé dans le Seigneur il y a pile adopté des ulcères et des ulcères malins douloureux c'est pas ça yo dit bien aimé qui était grand pile douleur et c'est ça que nous te ouais et à soir nous pas loin cinquième nan pour que nous capable rentrer exactement dans sujet astroya en nous lit avec moi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16 le verset 10 bien aimé en nous lit ensemble avec moi fais sentir l'église là avec moi astroya il dit le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Moi j'aime ça bien aimé. Qui côté yo dit nous ça tombé bien aimé? Qui côté cinquième nous tombé? Sur le trône de la bête. On regarde verset 11 là. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Bien-aimés, non, bagaille là parce que bête là t'es dit on bagaille. Bête là t'es dit on bagaille qui était fort. Bête là t'es dit et les nous te ouais samedi soir, il t'es dit que nous pas capable ni acheter, nous pas capable
ni vendre. Et peut-être là, vous voulez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps qu'à venir, ça que nous, il est la fin des temps, ça veut dire que c'est lui-même qui a le pouvoir pour qu'il soit capable de dire qui moun qui a acheté et qui moun qui est capable de vendre. Et pas vrai, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que ça peut être là, vous voulez comprendre, dans l'Apocalypse chapitre 13, c'est lui-même qui a le pouvoir pour qu'il soit capable de dire qui est pour moun lever, qui est pour moun chita, qu'il est pour moi courir, bien aimé dans le Seigneur. Mais, Jésus, Jésus, tu me consacres, dans le chapitre 13 là, monsieur a calé colis, dans tout le chapitre 13 là, a calé colis, mais, dans le chapitre 14 et 15, chapitre 16, l'Éternel dit consacre, lui prend bagala en main. Ça veut dire que c'est pas bête là, qui parle couler là, mais c'est le Christ qui parle. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Et, garde pour nous, on garde ça qui t'est passé. Je dis consacre, la bête que je vie était semblable à un léopard et ses pieds étaient comme ceux de nous et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa vie, sa puissance et son trône et une grande autorité. On garde bien texte là, bien aimé dans le Seigneur. Yo dit comme ça que bête là que nous te voyons il semblait avec un léopard. Pied lui bien aimé, il fait même genre ensemble avec pied de loup. Désolé, de yon lous, et puis bouche li bien-aimé dans le Seigneur, li fait li comme Jean ensemble avec yon lion et dragon. Hein? Dragon, hein, bien-aimé dans le Seigneur, yon tingo ça, c'est dragon hein, qui te bat bête là, qui ça? Puissance, et puis li bat bête là? Trône. Ça veut dire que nous te dou que dragon hein, représente qui laisse nous te dou l'été. Satan, le diable. Et le dragon représentait Satan, le diable, selon l'Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 à 9. Non, songez ça, il n'est pas vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que si dragon, ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui te baille bête là, puissance, li baille bête là, trône, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous tout dragon, c'est première, moi tout consacre, c'est première tête de la trinité satanique. Non, songez ça, bien-aimé. Et puis, lui dit comme ça que lorsque lui-même, en réalité, lui non seulement bien-aimé dans le Seigneur, lui dit comme ça que lui recevoir puissance, lui recevoir trône, mais la Bible dit comme ça, dans cinquième soa, bien-aimé dans le Seigneur, lui fait un changement qui fait la donne. Comment changement fait? Les quatre premiers soa, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui littéral. Amen. C'est ce qui littéral, qui tombait, qui passait sur toute la terre. Et pas vrai, bien-aimé. Qui passait sur toute la terre. Ça veut dire que, il dit comme ça que, plaies qui étaient tombées dans quatre premiers plaies, c'était des plaies universelles. Amen. Mais, dans cinquième plaie, bagala pral pour l'autre tournure. Bagala pral changer. Ça veut dire, dans cinquième plaie, bien-aimé dans le Seigneur, li pa yon plaie qui littéral. Maintenant, plaie a vini yon plaie qui symbolique. Maintenant, nous parlons que dans le premier plaie, bon Dieu t'a dit ensemble avec les gens qui te recevoir, ma bête là. Maintenant, dans le cinquième plaie, bon Dieu pas dit avec les gens encore. Et maintenant, bon Dieu parle dit avec bête là même. Ou pas avec moi, soya. Bon Dieu, si ça veut dire que dans le chapitre 13, bête là t'a fait peur. Dans le chapitre 16, dans le cinquième plaie, bon Dieu dit comme ça que bien aimé dans le Seigneur, il prend le frapper. Trône bête là. La frappe non seulement bête là, la frappe trône bête là. Et il dit comme ça que l'ité recevra puissance, trône symbolise domination, il symbolise puissance. Bon Dieu voulait faire comprendre, puissance bête là te gagne, c'est lui-même, même bon Dieu pour le frapper. Ça veut dire que en pile fois, bête là te dit comme ça que il t'a fait nous peur, bien aimé. C'est pas ça me dit ouais. Bête là t'a fait nous peur. Mais bon Dieu dit comme ça que puissance non c'est pas dans bête là lié. Mais si comme monde qui a puissance, c'est l'Éternel des armées. C'est pour ça bon Dieu décidé pour que lui capable frapper qui va bien aimé. Trône bête là et lui frapper. Bête là, c'est ça fait que me capable dire ou même à soya qui reconnaît bien aimé dans le Seigneur, gagner yon la fin des temps qui privé, gon bataille qui pral arriver, gon persécution qui pral arriver, m'a tout comme ça yon nan bagay qu'on doit faire à soya, c'est mec sou que ou gen sûreté en Jésus de Nazareth parce que gon lè qui rive, bête là pas capable caler colle, je la caler colle là encore parce que mec Kelly
chef qu'elle, bien-aimé dans le Seigneur, l'y gagne pour le capable de frapper puissance bête là. Si qui amen, dit amen, bien-aimé. Bon Dieu frappe puissance bête là. Et il dit comme ça que ça, c'était le cinquième sort. Ça, c'est le cinquième plaire. On regarde le sixième plaire ensemble avec. Le sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve. Et comment est le fleuve ça? L'Euphrate. Et son eau tarit. Et que le chemin des rois venant de l'Orient, d'après l'Orient, bien-aimé, nous allons commencer avec une lettre majuscule. Amen. Ok, soulignez-moi ça pour moi. Li sorti de l'Orient et qui fut préparé. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça veut dire que, bien-aimé, yo dim kon sa ke, en réalité, sixième pléa, bien-aimé, yo versé li sur le grand fleuve de l'Euphrate, et puis yo dim kon sa ke, l'eau qui t'a coulé dans l'Euphrate là, l'eau a li vini li séché. Est-ce que vous êtes avec moi? Yo dim l'eau a séché, et puis yo dim afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Ça veut dire que, dans verset 10, chapitre 17, verset 15, ensemble avec vous, pour nous voir qui ça, l'eau veut dire de la prophétie. L'eau de la prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, selon l'Apocalypse 17, verset 15, livre dit, bien-aimé dans le Seigneur, des peuples, les symboliser des foules et symboliser des nations et des langues. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, l'intéressant pour nous capable comprendre qui ça Euphrate lui-même lui veut dire exactement dans le texte lorsque il dit dans la sixième plaie, bien-aimé dans le Seigneur, fleuve Euphrate lui-même lui censé couper. Nous allons regarder ça tout à l'heure, bien-aimé, ma pensée pour m'expliquer à soi. Et puis il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, sous garder notre texte, ça, en réalité, on va pouvoir trinité satanique là. Sous garder notre texte, ça. Premièrement, il dit que je vis sortir de la bouche du dragon, représenté Satan, le diable. Et puis, il dit que de la bouche de la bête. Et la bête, ça a bien aimé dans le Seigneur, qui représentait la Rome. Et puis, il dit comme ça que, et de la bouche du faux prophète. Faux prophète, ça a bien aimé dans le Seigneur, que nous parlons exactement dans la prophétie de l'Apocalypse chapitre 13, là, qui représentait les États-Unis d'Amérique. Vous êtes avec moi? Et puis, bien aimé, il faut comprendre que là que nous trouvons ce qu'on appelle la trinité satanique. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Et puis, il dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, voici, je viens comme un heureux celui qui et qui garde ses vêtements afin qu'il ne... Et puis, il dit, il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Bien-aimé, dans la sixième bagarre, la sixième plaie, ils ont fait comprendre que ils ont allé dans le fleuve Euphrate là, et puis fleuve Euphrate là qui t'a coulé de l'eau, et puis ils ont séché Euphrate. Et pendant ils ont fini sécher Euphrate, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont fait comprendre qu'il y a une manifestation, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une manifestation de trois esprits qui semblaient avec des esprits de grenouilles. Et bien aimé dans le Seigneur, l'intéressant pour que nous capable comprendre qui ça que bon Dieu lui-même lui veut dire en d'un texte ça pour me comprendre qui ça Armageddon ça lui-même lui veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi bien aimé dans le Seigneur?
Yon n'a pas qui intéressant, yon dit comme ça que le tarissement des eaux dans l'Ancien Testament, lorsque nous a parlé, chaque fois que nous avons de l'eau dans l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que bon Dieu pral délivrer peuple, t'en ça m'a tout là bien, chaque fois que bon Dieu pral délivrer peuple dans le Nouveau Testament, nous voyons que bon Dieu, bien aimé dans le Seigneur, toujours fait yon route dans yon glo pour petit li. Amen. Lorsque le peuple a sorti exactement en Égypte, par contre, songez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le peuple a sorti en Égypte, le peuple est arrivé exactement devant la mer Rouge. Les peuples arrivaient devant la mer Rouge, faut que bon Dieu délivre le peuple là. Ça, bon Dieu, te fait bien aimé dans le Seigneur. Bon Dieu fend la mer et puis il fait peuple là passer bien aimé dans le Seigneur à pied sec. L'Éternel lit toujours. Un glow qui devant petite lit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et yo fait me comprendre, lorsque le peuple a continué toujours, toujours de route pour lui aller dans la terre promise, yo fait me comprendre, peuple a ouais, yo joué, bien-aimé, joué un tel plein de l'eau. Qui ça, Jésus fait, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus fait joué et peuple a passé à qui ça? À pied sec. Ça veut dire que chaque fois que mon Dieu prend fait peuple y rentrer dans la terre promise, toujours gonglant pour mon Dieu fan, pour petit lit, capable de passer là-dedans, c'est qui amène, dit amen. C'est ça fait que me comprendre, quel qu'en soit notre glow que va passer, la parole de Dieu dit dans le livre d'Esaïe, l'Éternel bien-aimé de le Seigneur, l'a passé avec nous, ne mitant de l'eau, même si nous avons mitant de l'eau, nous pas submerger, parce que moi, nous toujours sous le dos de l'Éternel des armées. Sous d'accord dit amen, bien-aimé. Ça veut dire que bon Dieu fait me comprendre. Même genre dans le passé, les peuples ont sorti en Égypte, t'es guillé sur la mer Rouge. Même genre peuple a bien aimé, ils t'ont sorti exactement dans le désert, t'es guillé sur Jourdain. Bon Dieu dit à la fin des temps, puisque le livre de l'Apocalypse, c'est un livre symbolique, et maintenant guillé sur une rivière symbolique qui barrait le peuple de l'Éternel au dernier temps, sur le Euphrate. Bon Dieu dit le dernier temps, bien aimé dans le Seigneur, guillon de l'eau symbolique qui paraît peuple bon Dieu. Mais l'Éternel dit si que mettez qu'on retire le peuple là dans le passé, bien aimé dans le Seigneur, te vole la mer Rouge, mettez qu'on fonde la mer Rouge. Si bon Dieu dit, l'idée qu'on fonde le jour de, ça veut dire qu'a fait bon Dieu nos confiance au dernier jour, bien aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit l'eau qui vient devant le peuple de l'Éternel, la prend porter la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Sous d'accord dit amen pour l'Éternel. Bien aimé, bon Dieu, fais-moi comprendre, bien sûr, ça va finir. Est-ce que t'es guéon Euphrate dans la Bible? Il était présenté nous, le peuple d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, le peuple de Juda, pour me capable plus spécifique, le peuple de Juda qui était allé en esclavage, nous songez chez les Babyloniens. Et on fait me comprendre en réalité, Jésus, en réalité, frères et sœurs, il était promettre ensemble avec le peuple là, que y'a gagné pour y'a capable passer 70 ans pour, en captivité. Mais bon Dieu te promettre ensemble avec le peuple là. L'a délivré lui quand même. Et yo fait comprendre, lorsque bon Dieu pral délivrer peuple là, comment il pral le faire? Regardez comment bon Dieu pral le faire pour te délivrer peuple là, bien aimé dans le Seigneur, pour une capable voir l'histoire selon la parole de Dieu. Le livre de Daniel chapitre 5, les versets 1 et 2 dit, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit t'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, c'était une nuit inhabituelle pour une fête, car il y avait une armée de l'Est. Il y avait une armée de l'Est à l'extérieur
de la ville. Ça veut dire pendant que Nebuchadnezzar, bien-aimé dans le Seigneur, Lichita et Betchazar, désolé, Betchazar, Lichita en dehors parallèle, la brette éclairée. Et puis qui ça s'est utilisé pour le bret éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, ces bagailles qui sont en dehors de bon Dieu. Parce que je fais me comprendre, le grand-père de Betchazar, en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, qui c'était Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un homme qui était insolent. C'était un être bien-aimé dans le Seigneur qui n'a pas respect pour un yé qui bon. Mais quand même, il était un petit crasse respect pour mon Dieu. Malgré qu'il était pour tous les ustensiles dans le temple de Jérusalem, il n'a pas servi ensemble avec lui. Mais on seul bagage, il était prêt, il était mettre dans la maison de son Dieu. C'est ça seulement, la Bible raconte nous. Il fait me comprendre. Nebuchadnezzar, t'es tellement fréquent, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas trop connaître l'autorité de Dieu. La Bible raconte, bien-aimé, que il prend Nebuchadnezzar pour l'aller manger Zeb pendant 7 années. C'est une bagaille que ma faut comprendre à soi. Qui m'a dit comme ça que pasteur, est-ce que ça me dit, est-ce que c'est vrai? Oui, bien-aimé de le Seigneur, yo fait Nebuchadnezzar tourner sous conion bœuf. Plim lever sous lui sous conion bœuf. Zong qui pousse dans droite li sous conion zong oiseau. Et bien-aimé de le Seigneur, pendant 7 années, il a mangé parmi les bêtes. Ça veut dire you ne bagaille que me capable faire les hommes comprendre. Lorsque mon Dieu est le roi, c'est obéir à la parole de l'Éternel, parce que jugement bon Dieu c'est pour un bagaille qui douce. Et yo pral dit comme ça, après nous ça bien aimé de le Seigneur, li sorti côté le sorti, bon Dieu pral retirer, bon Dieu pral lever. Mais ça qui est intéressant, ça qui est important, yo dit comme ça que gros chapitre dans Bible là, c'est Nebuchadnezzar qui écrit. Li écrit la propre parole. Et Daniel chapitre 4, li écrit la propre parole pour raconter témoignage li. Li pas quitter, c'est Daniel qui écrit témoignage là. C'est lui même qui raconte témoignage li dans tout livre Daniel là. Qui est un roi qui écrit la donne, li le roi Nebuchadnezzar qui relait tout le monde pour yon adorer yon seul vrai Dieu, parce que c'est lui même bien-aimé de le Seigneur qui méritait adoration. Nebuchadnezzar a gagné respect pour mon Dieu. Il a raconté bien aimé dans le Seigneur. Nebuchadnezzar a mouru comme un croyant. Mais son petit-fils qui pas attendait ça que papa le quitté derrière pour continuer à servir mon Dieu. Mais lui-même était tellement arrogant. Il décidait bien aimé dans le Seigneur pour qu'il soit capable de challenge mon Dieu. Pendant la challenge mon Dieu, bon Dieu dit comme ça, let me challenge you too. Let me see. Qui laisse cap challenge l'autre et qui laisse cap gagner. On va faire bien aimé dans le Seigneur. You know, bagay qui capable de dire, ou pas capable de challenge God. But when God says something, I know for sure it will come to pass. One of the things that I know, the word of God is yes and truth. The word of God is always amen. Ça que bon Dieu dit, au nom de Jésus, la prière bien aimée dans le Seigneur. C'est ça fait que je crois. Yo dit me comme ça que pendant Betchazar, il était la boue dans bagaille bon Dieu. Bagaille qui sorti non dans bon Dieu. Bagaille qui sorti qui bon en dans l'église bon Dieu. C'est la donne il prend pour le éclairer. Ou avec le samedi à non. Et puis il prend pas quelques bonnes mesdames à faire défiler. Mais yo dit me comme ça que tu es gagné. Yon l'armée qui s'était sorti qui bon de l'Est. Qui passait des années bien-aimé dans le Seigneur. Yo dit qui côté l'armée ça t'est, nous allons regarder bien vite. Yo dit pendant que monsieur lui-même la fête là, la manger dans bagaille bon Dieu, la vivre dans bagaille bon Dieu, et puis li wè yon mec a écrit, et puis li wè mais en sorti de nulle part. Mais a écrit sans quoi. Bagay que yon pokon jamwe, li wè me yon mate, mene tekel, forcine. Et puis bien aimé dans le Seigneur, même côté a, monsieur troublé, li pa koné exactement sa ka passé. Et puis yon dit m'consacré, bien aimé dans le Seigneur, monsieur senti l'gen problème. Et puis il dit m'consacré, ki moun ki kapab dim bagay sa yo, ki laisse ki kapab dim ki sa kap di la, ki sa ki écrit la, ki laisse ki kapab interprété la. Yon dit m'consacré, bien aimé dans le Seigneur, yon voye chercher maman qui était là lorsque Nebuchadnezzar était fait des ordres à l'éternel.
Lorsque Nebuchadnezzar te kon fonse de rêve, li pa comprendre, li pa même songe rêve là. C'est Daniel yo te kon voyage chercher pour Daniel vin di rêve là, expliquer rêve là. En de royaume nan Daniel était toujours là et puis yon voye chercher Daniel. Yo dit Daniel mon cher, souvini ou capable di nou qui ça qui écrit là et qui ça le dire. N'a pas ou troisième place nan royaume nan. Pour qui ça troisième place? C'est parce que en réalité monsieur c'est pas lui-même qui était le roi qui t'a dominé. Il était le co-roi de son père. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que lui pas capable de deuxième place là parce que deuxième place ça c'est deuxième c'est pas. C'est peut-être ça lui promet troisième place. Et là, il promet troisième place là. Et puis là, Daniel vini. Pour Daniel, bien-aimé de le Seigneur, Daniel va même penser ensemble avec qui ça le prend joindre. Là, Daniel, il fait garder les miens. Il dit comme ça, oh, c'est fini. Daniel paraît, il garde les miens. Il dit, mon cher, bon, tout qui ça qui écrit le mien. Il dit comme ça, compté. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fait peser. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé. Et donne aux Mèdes et aux Perses. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon Dieu garde, il garde Belshazzar. Il dit Belshazzar, bon tout yon bagaille. Royaume ou déjà compté déjà. Bon Dieu compte le royaume. Les bon Dieu fin compte le royaume. Non. Bon Dieu garde en réalité. Li pèse le royaume. Non. Li mette son balance. Ou même qu'à propos fréco. Bon Dieu nous ça me trouver que ou léger. Qui a pile moun qui pense yon qui force. Qui a pile moun qui pense bien aimé yon pèse. Le yon mette yon sous balance l'éternel là. Yon trouve yon que yon léger. Ma Dieu assoya, bien-aimé ou même qui vient prendre la parole de l'Éternel, pas qu'il monde qui est capable peser sur la balance de l'Éternel. Chaque fois yo mettem sous balance là, yo aime son paille. Chaque fois yo mettem sous balance là, yo aime pas rien. Et chaque fois yo mettem sous balance là, moi ouais vent qu'a vanté et puis vent voye malé et puis même côté à moi les Jésus, dit Jésus campé sous balance là et puis les Jésus prend moi, Jésus campé sous balance là, Jésus qui met ma bras là et puis là regardez yo balance là crasé parce que c'est pas moi campé devant balance là. C'est Jésus, ma toi soya. Non besoin camper, c'est pas où pour camper. C'est Jésus pour prendre, pour camper sous balance là. C'est Jésus qui a pesé sous balance là. C'est Jésus qui est proie pour balance là. Dis Jésus, m'pas capable. Jésus camper pour moi. Les nebis, les bêtes chatza pensent t'es loup, les bêtes chatza pensent t'es pesé, les regardent le ouais léger, les t'en a dit non seulement léger, royaume n'a divisé, et m'prenne mon roi, m'en remettre li avec son autre nation. Et bien aimé, bah la terre de nos soirées ça, et puis yo dit, pendant la dîle compte, pesé, divisé, y a un royaume qui sortit dans l'est. Qui déroua pendant des années, pendant des mois, des jours. Même parce que yo dit de l'est, parce que nous songeons l'entrée ouais Apocalypse chapitre 7. Yo te dit nous comme ça gagné, yo ange qui sorti de l'est. Nous songeons ça. Du côté de soleil, le vent. Et yo dit comme ça que moun ça c'était Jésus. Et yo dit bien aimé dans le Seigneur, Cyrus qui t'est sorti de l'est. Jésus t'est déjà bali non Cyrus 150 années avant le fait. Et c'est ça fait yo reconnaître Cyrus c'est un type de Jésus qui prend à délivrer le peuple la caille les babyloniens. Mais pour le peuple à te délivrer, il faut que Cyrus ensemble avec l'armée hein, yo même yo t'est allé yo t'est venu avec une stratégie. Qui stratégie t'est yé? Parce que Babylone t'est pensé t'est en sécurité parce que bien aimé dans le Seigneur, il t'est qui fleuve et frappe qui t'est passé devant. Avec fleuve et frappe, pas qu'il y a personne monde qui est capable rentrer la caille Babylone. Ça veut dire fleuve et frappe, lui c'était moyen économique peuple là. Ça veut dire ce fleuve là qui arrosait tout jardin qui est l'autre bord. C'est fleuve là qui baille l'argent. C'est fleuve là qui baille sécurité. Ça veut dire, yon dit que, pas qu'il y ait nulle façon, bien aimé dans le Seigneur, yon l'autre peuple capable d'envahir Babylone parce que, et frappe, pas j'en cherche. Mais yon ferme qu'on est, si oui, bien aimé, qui c'est un type
de Jésus trouvait une manière dans soirée fête ça yo bouché de l'eau en haut yo bouché de l'eau en bas et puis côté yo quitté mon capable dit bien aimé dans le Seigneur barrière a tout ouvri et puis yo dit dans soirée ça et puis l'armée Syrie là li rentré exactement à Babylone et puis yo mettait main sous Belshazzar et puis même côté yo égorgé Belshazzar. Mais pour Babylone, Babylone tombait dans les mains de Cyrus. Et le peuple de Dieu qui était à Babylone était délivré. Dans la Bible, aussi, il présente une Babylone. Mais ça, c'est une Babylone spirituelle. Même Babylone spirituelle, ça, dans le livre de l'Apocalypse, la prend d'assaut, bien-aimé, sous yon lot Euphrate, mais c'est yon Euphrate spirituel. Son Euphrate spirituel. Mais comme on parlait, on dit Euphrate spirituel, ça. C'est Euphrate spirituel, ça, bien-aimé dans le Seigneur, que on parlait de la confédération, bien-aimé dans le Seigneur, qui c'était le pouvoir, ça, qu'on est capable de le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Ça veut dire que, bien-aimé, qu'on l'église qui chuta, bien-aimé dans le Seigneur, sous ça, qu'on est capable de sous toute confédération qui existait, il chuta sous pouvoir politique, côté que on connaît, il y a besoin de pouvoir. Non, mais les États-Unis. Yo koné y a joint tout l'argent. Ça veut dire que l'église, ça sont l'église qui pile l'argent la donne. La Bible dit, pour Dieu assoya, gros période qui parle arriver bien aimé dans le Seigneur, toute force militaire, yo, toute force politique, yo, gros période qui parle arriver, Jésus pral sèche. Ça, Jésus pral fait. Jésus va sécher parce que bien-aimé dans le Seigneur, faut Euphrate sécher pour que l'église de l'Éternel capable de délivrer. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je t'arriverai des fleuves. Jésus a parlé. Il dit, je dis à Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ça veut dire que c'est de Cyrus bien-aimé dans le Seigneur que peuple Dieu a retourné m'capati sur la nouvelle terre. C'est Cyrus qui va rebâtir le temple de l'Éternel. On va faire nous l'église. Ça veut dire que il a parlé de l'église qui était l'église physique sur cette terre. Mais l'Apocalypse l'a parlé bien-aimé dans le Seigneur d'un événement spirituel. Ça veut dire que bien sûr pas de Babylone physique, mais je vous dis que Babylone spirituel. M'a dit aujourd'hui, pas capable, pas qu'on est frate physique, mais n'a qu'on est frate spirituel. Et bon Dieu dit qu'on s'accueille. L'a utilisé Wenda qui soutient à l'aise pour venir délivrer Bébla. Tenez bien. Et si pas l'Éternel a soin à Cyrus, il dit Cyrus, c'est mon oin. Et bon Dieu dit qu'on s'est bien aimé dans le Seigneur. Premier bagage pour nous capables de comprendre, pour nous capables de comprendre Armageddon, il faut que nous capables de comprendre le frac, les gars pour le sécher. Amen. Et frac séché. Les rois de l'Est marchent sur Babylone. Ça veut dire roi qui sortit à l'Est, la bien-aimée dans le Seigneur, les marchés sous qui l'Est, les marchés sous Babylone. Et Cyrus qui c'est, le Cyrus qui c'est loin de Dieu, qui choisit par l'Éternel, choisi par l'Éternel. Le peuple de Dieu a retourné à la terre à la terre promise, parce que Cyrus, c'est lui-même qui trace ces routes-là pour le peuple à retourner, pour rentrer la Cali au nom de Jésus de Nazareth. Cyrus, moi d'où c'est un type de? Son type de Jésus. Les dîmes, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Dans toute l'Apocalypse, c'est seulement hébreu nous gagne. Dans toute l'Apocalypse, c'est seulement hébreu nous gagne. Parce que toute l'Apocalypse est en grec. Et puis, les dîmes, lui, appelé Armageddon. C'est quoi l'Armageddon passe? C'est quoi l'Armageddon? Ce que nous savons, bien-aimés, gagner ça qui va relayer une déception spirituelle.
Comment nous relève ça, bien-aimé? Une déception. Déception spirituelle globale. C'est pas seulement dans un coin, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Haïti, mais sur tout globe la net. Quelqu'un déception. Et pour parler de déception, ça, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on attache à Jésus de Nazareth. Le roi sorti de l'Est, le frère a séché, et puis il dit la venir comme un voleur. Regardez Amargédon. Le mot Amargédon, bien-aimé dans le Seigneur, il est sorti de deux mots hébreux. Premier mot, c'est Ar, et deuxième mot, c'est Megiddo. Le mot Ar signifie montagne, Megiddo, c'est juste une plaine en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme des cabrilés. Et pour moi-même, lorsque je dis Armageddon, il n'a pas fait sens. Parce que si on dit en pleine, on va dire montagne encore. Vous êtes avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai une chance pour m'aller à Megiddo. Mon Dieu t'a fait grâce pour me visiter Megiddo. Lorsque je visite Megiddo en 2014, j'étais ensemble avec Dr. Paul Grégoire à Andrews University. Et puis, je suis arrivé à Megiddo et puis je parlé avec le docteur. Et puis, je me dit comme ça, mais, docteur Grégoire, je dis comme ça que c'est la dernière bataille après la fête. C'est la dernière bataille après la fête. Mais, je dis, monsieur la montagne, mais jusqu'à présent, mais je suis à Megiddo. Mais, où est la montagne de Megiddo? Où est la montagne de Megiddo? Et puis, en parlant avec pasteur, avec docteur Grégoire, et puis docteur Grégoire, comment c'est pour mon petit étude biblique? Docteur Grégoire, comment c'est pour mon petit étude biblique? Notre étude biblique liée, on va le partager là-bas. Est-ce qu'on a combien aimé? Et notre étude biblique qui était pour moi, on va le partager ensemble avant. Donc, quand Grégoire commence à parler ensemble avec moi, il dit, ouais, gardez bien, passe. Il dit, ça, ou regardez là, en réalité, ou exactement dans le sud. Ça, c'est le sud, et ça, c'est le nord, désolé, ça, c'est le nord. Le nord qui gagne Mont Carmel. Puis, j'aime vraiment vrai, moi, ouais, la montagne de Mont Carmel qui n'est pas trop loin. Il dit, Mont Carmel, en réalité, c'est là que Élie, lui-même, t'a fait du feu descendre, sortir en haut. Descendre, tomber sous holocauste là, et puis, il brûlait sacrifice là, lorsque Akab ensemble avec le prophète Baralio. Il dit, oui, songez histoire ça. Et puis, il dit, quand ça passe, sont allés plus loin, ça c'est Mont Tabor. Ça c'est le sud-est. On dit ok. Il dit sud-est là, dans Mont Tabor, c'est côté que où t'es gagné, ça qui est capable de la transfiguration de Jésus de Nazareth. On dit oui. Il dit, vous songez, c'était dans la période ça, côté Élie descend et puis Moïse descend. Élie qui représentait une capacité, tout le monde qui a mouru en Jésus-Christ et tout le monde qui a sauvé en Jésus-Christ qui peut passer par la mort. Et puis il dit Moïse représentait tout le monde qui a mouru en Jésus-Christ qui vient pour mourir mais a ressuscité au nom de Jésus de Nazareth. Il dit me songer histoire ça. Il dit exactement ça dans sud-est là, ça c'est Mont Tabor. Et puis il continue, il dit comme ça, pasteur Pierre, il dit comme ça que qui ont l'autre qui dans le sud. Et puis moi dit dans le sud, il dit oui, il dit comme ça, ouais, ça c'est Mont Gilboa. Il dit ça qui, OK. Mont Gilboa, il dit comme ça que c'est là en réalité qu'un homme qui était relé Saül qui c'était le roi d'Israël. Saül, bien-aimé dans le Seigneur, lui dit que les Samuel étaient vivants. Chaque fois Samuel recevra un message de l'Éternel. Lui bail monsieur, monsieur pas jamais entendu des prophètes là, mais lui tant c'est les prophètes là mouri. Là la caille boko, là la caille divino, là les mauvais esprits, mais ça haïtien relé tatounat. Ça c'est non Mont Gilboa. C'est là tout mauvais esprit aurait été. C'est là tout divin aurait été. Et puis il me dit, d'accord, pas de problème. Et puis il dit, mais qui sont là jusqu'à présent? Il me dit, moi trois montagnes. Mais dans trois montagnes, ça y est, c'est trois montagnes qui sont très spirituelles. Il dit, ah, you got it. Yes, yes, c'est trois montagnes qui sont très spirituelles. Youn, c'est côté, Élie fait du feu descendre pour faire reconnaître il y a un Dieu en Israël. Non, 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 l'autre là, qui c'est Mont Tabor,
ce côté Jésus, lui transfiguré, qui représentait les deux types de la résurrection. Et troisièmement, représentait la puissance satanique. Il dit, ok, ce sont on commence à comprendre, on commence à comprendre. Et puis il dit, au milieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là nous relais la plaine de Megiddo. La plaine de Megiddo, c'était une plaine bien-aimé dans le Seigneur que on était utilisé, que en pile monde était qu'on voyager, sorti en Afrique pour aller en Europe. Mais c'était en plaine aussi tout, en pile l'autre côté était fini, en pile l'autre bataille était qu'on fait dans le passé, dans l'Antiquité. Mais pleine ça que y a parlé nous en bien-aimé dans le Seigneur, bon Dieu qui ont l'autre bagage que lui voulait enseigner nous de lui-même. Regardez bien vite. Ça veut dire que dans pleine ça, ça y a parlé nous là, c'est pas une bataille qui physique, mais bien-aimé dans le Seigneur, la bataille que y a parlé nous dans pleine non, c'est une bataille qui est purement spirituelle. C'est pas une bataille qui prend le fait avec gros âme, parce que l'élite a fait bataille par là, c'est pas gros âme M1, M15 nous connaissons pas vrai, 9 mm c'est pas bulldozer, c'est pas bagage ça yo, élite est utilisé, mais qui ça élite est utilisé bien aimé dans le Seigneur, la prière. Amen l'église. Pourquoi Dieu faut-il, pourquoi Dieu fait-il référence à Megiddo dans cette prophétie? C'est l'histoire de Dieu vainquant de Babylone, spirituel afin qu'il puisse amener son peuple dans la terre promise. Amageddon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un conflit spirituel. Comment on va faire qu'on est sur un conflit spirituel? La parole de Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que les âmes n'ont bataille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas des âmes charnelles, c'est pas des âmes physiques, mais la parole de Dieu dit, mais elles sont puissant par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Attendez bien. C'est pas mur que Zam s'a écrasé. Mais qui s'a écrasé, bien aimé? Des raisonnements. Non seulement des raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que bataille là, c'est pour bataille physique, mais quand bataille la fête, bataille la fête là. Qui compte faire raisonnement? Non, t'es down. C'est peut-être ça, il dit nous comme ça, dans les derniers jours, nous gagnons pour nous recevoir soit la marque de la bête sur nos fronts, ou bien soit que bon Dieu mettait la loi dans nos têtes et dans nos cœurs. Et bien ça, nous dans Hébreux 8, verset 9 et 10. Ça veut dire que la bataille Magédon, bien aimé dans le Seigneur, Armageddon, c'est une bataille de pensée. Quelle pensée? Pensée sur l'adoration. Pendant Chita ou pensée, qui côté me doit à l'église? Satan dit qu'on s'est un jour pas mal pour être. Jésus dit qu'on s'est non, c'est un jour pas mal pour finir. Et puis, on a une bataille de raison. Yo bataille de raisonnement. Si qui avait dit amen pour l'éternel. Bataille là, c'est pas gros front froid, bidim, bidim, bidim. Mais c'est une bataille de raisonnement. Notre dernier jour, on prend le bataille avec propre tête pau. Pour qu'on ait qui compte, on doit camper. Est-ce qu'on doit à droite? Est-ce qu'on doit à gauche? Son bataille de raisonnement. Son bataille entre la vérité et on bataille avec l'erreur, c'est qu'il les soit choisi. Son bataille entre les jours d'adoration, entre le sabbat et le dimanche, le jour de la bête, qu'il les soit choisi. La Bible dit son bataille de raisonnement. C'est pas une bataille physique. C'est pas une bataille charnelle. Et puis il dit, et nous amenons toutes pensées. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon Dieu dit sous mon pouvoir, m'a mené toute pensée captive à l'obéissance de Christ,
assoyez depuis ces pensées, Satan prend en captivité. Jésus dit que ça m'a pouvoir pour me capable libérer. Ma connaît bien aimé dans le Seigneur. Qui moun qui senti pensée en captivité. Qui moun qui senti pensée en prison. Yo vle marcher avec Jésus. Satan dit non, pas capable. Satan qui m'a pensé en bas plameni, en bas chenni, en bas menotli. Mais Jésus dit qu'on sait que moi capable de mettre toute pensée en captivité pour que je capable de parler la libération. Sous d'accord, dit amen pour l'éternel. Bien aimé, Jésus dit livre pour pensée pour là pour libérer la soya. Jésus voulait libérer pensée où qui en pile nous-mêmes qui voulait faire le bien. Apôtre Paul dit chaque fois mes seigneurs faire le bien. Malheureusement, c'est mal à me faire. Parce que Satan qui veut penser nous en captivité. Satan pas voulu nous faire le bien. Satan bien aimé dans le Seigneur. Il pas voulu nous obéir à la parole de Dieu. Satan pas voulu nous obéir à la parole de l'Éternel. Jésus dit à soyez, si que vous avez une chance pour m'entrer dans la vie, moi, je suis capable de prendre toute pensée captive et je suis capable de faire une libération. Sous d'accord, dit amen pour l'Éternel. Mon Dieu voulait libérer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme Élie. Élie pas forcé peuple là. Mais Élie te fait une invitation ensemble avec peuple bon Dieu. Élie, bien aimé dans le Seigneur, reconnaître que peuple là, il était en captivité avec Poncel parce que lui pas connaît si c'est Akab pour te suivre, lui pas connaît si c'est Jézabel pour le suivre, lui pas connaît si c'est l'Éternel pour le suivre. Et puis, il y a un appel qui va le faire. Il y a un appel qui va le faire sur mon camel. Que bon Dieu invite ma soya pour me dire le conflit, ce n'est pas un conflit physique, mais c'est un conflit spirituel. Je dis, lorsque Élie, bien aimé dans le Seigneur, il relaie les prophètes de Baal, il relaie les prêtres de Baal, il relaie les pasteurs de Baal, il relaie les sacrificateurs de Baal, et puis il relaie tout le peuple là, et puis il dit qu'on s'en qui compte au campé. Bon Dieu dit, pour me dire à soya qui compte au campé. Alors, lorsque Élie paraît bien aimé, il rapprochait ensemble avec le peuple là. Et puis il a commencé, les prophètes de Baal, il a dit qu'on s'est une condition. La condition bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous allons offrir un sacrifice. Nous chaque pour prendre un bœuf. Et puis, nous chaque à faux hôtel. Et puis, nous pas venir avec du vin. Mais peuple là, en deux pensées, pensez à mariner, pensez en tortiller. Il n'y a pas de côté pour le camper. Mais il n'y a pas qu'à fossil. Il n'y a pas qu'à fossil. Ça, bon Dieu, vous voulez faire comprendre à ma guédon, bon Dieu, pas qu'à fossil. Bon Dieu, c'est comme ça que son bataille qui est spirituelle, c'est décision que Dieu. Et puis, même côté, il dit, et il dit comme ça, et bien, il dit alors. Et il s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Bien aimé, il dit, si l'Éternel est Dieu, allez, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et puis le peuple a tellement égaré nos pensées. Malheureusement, Satan fait un état dans le dedans. Il n'y a pas qu'à répondre à rien. Il y a des gens qui tendent soir après soir. Ils ont la vérité. Mais ils n'ont pas qu'à répondre à rien. Il a posé des questions. Qui ça Marie m'a dit? Pensez Marie à Kokobeyo. Pensez madame dans Kokobeyo. Pensez maman, papa Kokobeyo. Mais m'a dit Marie pas mourir pour. M'a dit madame pas mourir pour vous. Mais moun qui t'est mourir pour vous, il est le Jésus de Nazareth. Amen. Et bien aimé, pendant le peuple a arrêté, et puis Élie a parlé ensemble avec vous. Élie fin fait. Il a dit l'autre peuple a venu, il y aurait les, il y aurait les, il y aurait les. Dieu fait pas jamais descendre. Dieu fait pas jamais descendre parce que l'autre Dieu a. Li intatad. Le Dieu a son Dieu qui a bouche qui pas parler. Son Dieu qui a pied qui pas marcher. Son Dieu qui a yeux qui pas boire. Son Dieu qui a oreilles qui pas attendre. Mais on dit pendant Élie bien aimé dans le Seigneur,
Li paraît, li fin fait hôtel li. Li prend bête là, li mette le sous li. Et li paraît, li dit comme ça, elle prend 4 couches d'eau. Yom la gué au premier 4 couches. Yom la gué au deuxième 4 couches. Yom la gué au troisième 4 couches. C'est pour Eli capable de montrer notre spiritualité. Pas gué volé là-dedans. Pour ne pas penser que tu dis en bas. Qui te limé. Eli qui croit dans bon Dieu là. Yon seul contre lui. Parfois, pas besoin de l'empile dans pile éternel. Dieu fait descendre. Même côté là, du feu descend. Ça, c'est pas une bataille physique. C'était une bataille spirituelle. Son décision personnelle, spirituelle. Assoya. Bon Dieu dit à Magédon, prêt à le commencer. Amen, frères et sœurs. À Magédon, prêt à le commencer. Mais pendant Amagedon on va commencer, Jésus a demandé moi-même ensemble avec vous, est-ce que bien-aimé dans le Seigneur que nous les prêts pour que nous capables laquelle l'amène pour que les capables retirer nous en captivité. Bon Dieu voulait sauver le peuple. Bon Dieu voulait délivrer le peuple, mais est-ce que peuple voulait bon Dieu délivrer? Assoyez. Moi reconnaître il y a un Jésus. Un Jésus qui peut sauver, un Jésus qui peut délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Jésus qui connaît comment pour que lui capable fait nous venir. Ça que nous pas jamais penser que nous t'habiller. Il y a un monde qui est capable de dire pasteur Pierre. On continue encore. En 2016, 2017. Avion, vient de Florida. Pendant que l'avion vient de Florida, bien-aimé, tu as un ami qui est sorti presque même côté ensemble avec moi. Même pas petit côté parce que je connais un pile dans le monde qui a regardé le live là. Je ne sais pas si ça va avoir un problème encore. C'était un sabbat matin et puis je descends. Pendant dans la machine et puis je songe ensemble avec Zamir. C'était un plus bon ami. Et puis je me relève, je me dis comment est. Il dit ma forme. Je dis quoi toi? Il dit la caille moi. Je dis oh quoi je dis sabbat sur la caille pas l'église. Il dit ah m'a tourné l'église oui. Ah et ça me raille avec petit pasteur là. Ou toujours là, ouais, ça ou là. Je pense à bagarre à l'église. Mais il va tourner l'église, bon, mon titan toujours. Il me dit, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ou dit, on prend Jésus, on baptise. C'est le moment. On va jamais compter demain. Il dit, je prends Jésus, oui. Il dit, je prends Jésus. Il dit, ok, je vais prendre Jésus. Mais pour que ce soit pas fait le connu. Il dit, je prends l'Haïti. Je promets tout, sortir de Haïti, je vais baptiser. Et puis il me dit, my friend, pour que ce soit pas tout baptisé avant l'Haïti. Ou à l'Haïti, tout couvri. Voilà, Haïti tout protégé. Pas l'Haïti, ils sont pas baptisés. Je me dis, bon, si vous même voulez, c'est moi de baptiser, je suis capable de tout faire deux jours en plus, Florida, je suis capable de baptiser. Il dit, aucun homme n'a toujours souhaité se baptiser. Mais moi, garanti, je suis à l'Haïti, je fais deux semaines. Après deux semaines, je suis donné, je suis baptisé. Ok. Je suis ensemble avec madame, moi. Et puis, madame, tu as tant de conversations. Et puis, vraiment, là, l'Haïti. Là, l'Haïti, et puis, moi, je retourne là, quand moi. Et puis, je prêche en campagne d'évangélisation, l'église, moi. Et puis, dans le jour soir, ça,
M'aller bien aimé dans le Seigneur pour me dormir, pas qu'à dormir. Me lever vers 1h du matin, puis me faire un rêve, souvent me dormir avec une petite plume, ensemble avec un petit cahier pour tête moins, parce que les bons Dieu parlent avec moi souvent le soir, pour parfois me bagarrer chose pour même limer lumière même dans fait noir, pour m'avoir écrit ça l'Éternel dit. Et puis me fin font une révélation et puis me regarder petit papier moins pour m'apprendre écrit ce rêve là. Et puis me pas connait ça t'est passé jour soir ça, me rentrer dans la chambre avec téléphone moins. Et puis, mon téléphone allumé. 2h du matin. Et puis, son ami qui voyait un message pour moi. Qui sa ami envoyé pour moi. Et c'est Fox News. Et puis, il a ouvert Fox News là. Et puis, il a gardé mon ami maintenant. Payé ensemble. Pas comprendre ce qui passe. Il m'a appelé Bagala, il m'a dit boussolé. Et puis, il m'a l'autre ami, il m'a dit, qui ça m'a l'âme, pas comprendre. Il dit, demoiselle, là, t'es rentré à Haïti, ou qu'on elle était fait petit ensemble avec un jeune garçon. Il m'a dit, oui. Il dit que, l'elle tournait, avant t'es allé, il était metté, yon extraordinaire order, pour t'es garçon, hein, pas venir dans la. Et puis, l'elle tournait, t'es garçon, hein, vint crier dans le pied, il dit, lui, pas besoin de faire mal encore. Et puis il retire l'ordre. Et puis dans le souhait, petit garçon rentre à l'examen dans le cas là. Il bat la fille. Il a une balle dans la tête. La fille a tombé. Il est mort. La fille a mouru, il fait mal. Mais ça fait mal plus. Il dit, je passe l'aile tourner d'affaires. Il dit, je passe. Je promets de me donner ma baptise. Il dit, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas de chance là. Il dit, c'est vrai. Mais malheureusement. Il n'y a pas de chance. La bataille là, ce n'est pas n'importe qui bataille. C'est une bataille qui est en tête à haut. C'est une bataille qui aura fait, c'est une bataille qui est spirituelle. Comment avec un esprit? Mais je ne peux pas remporter victoire sur l'esprit. Si vous n'êtes pas d'accord, le Saint-Esprit bataille pour vous. Bien aimé. Pendant que vous venez à soi à reconnaître qu'il y a un sauveur tel que je suis, sans rien à moi. Maestro, pendant que vous venez à soi à reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux, ou reconnaître bien-aimé dans le Seigneur, c'est bon Dieu seulement qui est capable de sauver. C'est bon Dieu seulement qui est capable de délivrer. Et bon Dieu dit pour me dire à soi à que je finis pour me délivrer. Amen. Jésus dit qu'on ça depuis ses pensées qui te prend en captivité. Pour Dieu dit pour me dire c'est lui-même seulement qui est capable de libérer pensées. Assoir. Moi, quoi, papa, mon Dieu, maintenant. Il est dans la zone. Jésus a visité Beersheba. Pour le dire que moi je voulais venir sauver petit moyen. Et où c'est le premier mot que Jésus voulait sauver à soi. Pendant qu'il a passé 4 jours pour nous. Pendant qu'il a passé 4 jours pour nous à soi. Connais, il y a un frère, il y a une soeur. There is somebody tonight that hear the voice of God. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui doit signer 4 ça. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas de personne monde qui est capable de sauver tes yeux. C'est seulement moi-même qui est capable de sauver. Jésus dit pour me dire, c'est lui-même bien aimé dans le Seigneur.
qui est capable de retirer dans la situation quand on y est. Vendredi soir, il y a une cérémonie de baptême pour tout le monde penser en captivité et qui voulait libérer par la puissance de Jésus. Par la puissance du Christ, on croit que l'Éternel est capable de délivrer. Dis Seigneur, Seigneur, me voici. Don't do it for me. Pas faire pour moi, mais faire pour Jésus de Nazareth. Pas faire pour l'église, mais faire pour la vie éternelle. Pasteur Léristel va le chanter, va le prier pour nous assoyer. Pendant Pasteur Léristel va le prier pour nous assoyer, moi quoi qu'il y ait un monde assoyer. Qui voulait que nous prions avec. Parce que bon Dieu touche cœur et dit Seigneur, je veux être à toi et à toi seul. Qu'il y ait un monde assoyer qui voulait prendre décision pour marcher avec Jésus. Quand on y a levé mon pour Christ. Il y a un monde qui voulait prendre décision pour Jésus. Quand on y a levé mon pour Jésus. Quand on y a levé mon pour Jésus. Moi, je crois que mon Dieu les consomme. Jésus a délivré à son passe. Quand on y a. You can just raise your hand for Jesus. Say, Father, I want to be one of yours. Seigneur, moi t'armé, yon un petit tuyau. Moi levé même à soi devant le ciel. Moi levé même à soi devant le ciel parce que vous prenez Jésus comme sauveur. Pasteur, après la prière pour nous à est-ce qu'il y a un autre monde qui t'a remis levé maintenant à soi pour Jésus? Qui dit Seigneur, où est les circonstances? Seigneur, où est le problème? Seigneur, ça qui est important, c'est la vie éternelle. Moi, je voulais sauver. Levez-moi pour Jésus à soi. Levez-moi pour Jésus à soi. Pas besoin de garder ni à droite ni à gauche. Quand on y a levé mon seulement pour Jésus. Christ ou elle. Pas de monde qui t'a remis qu'il y a robe Jésus pour les marcher avec Jésus de Nazareth. Nous allons prier. Frères et sœurs, bon Dieu toujours ben, en dernière chance. Alléluia. Tandis que nous allons prier. It is your time. Would you like to pray as holding the hand of Jesus? He has sacrificed himself just for your salvation. Ça moi maintenant Jésus il pas jamais demandé avant, li bail avant demander. Li mouri pour qu'il gagne la vie, et lui dit, vous voulez qu'on y a, come with me. Jésus. Assoya. Ou devant face, la vie à la mort. Cette décision, ou après assoya, qui a déterminé qui va passer l'éternité. Seigneur.
décision ou apprend ou sorti dans porte là avec lui, c'est lui même qui a déterminé l'éternité. Est-ce qu'on va aller pour la vie éternelle ou bien on va aller pour la mort éternelle? It's not about religions, but it's about valuing the death of Christ. The blood of the Lord, of the Lamb shedding on Calvary for you. Est-ce que vous imaginez ça? Un garçon qui propose au bagage, non, non. Amen. Et tout, mais quand il a déjà meublé déjà, qui sont besoin? Mais les machines, non, tout bagage disponible. Just only to say yes, and everything is yours. Tandis que nous allons prier. Est-ce qu'on va rejeter Jésus ou bien on va accepter Jésus? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce grand sacrifice consenti pour notre destinée éternelle. Le plan qui a été conçu dès la fondation du monde pour sauver l'homme perdu que nous sommes, et ce sang qui a été coulé est maintenant à l'état liquide, pouvant effacer tous nos péchés. Ce soir, nous te disons un grand merci, Seigneur. Tu as utilisé ton serviteur avec clarté. Message là clair, cristal. Et les oreilles nous toutes ouvertes nous tenter. Nous capables de faire comme si nous pas tenter. Mais c'est pour notre propre ruine. Assure, Seigneur. Permet que pas qu'un petit ou qui rentre dans l'enceinte ça, qui sorti perdu, mais qui doit sortir sauvé pour le temps et pour l'éternité. Tandis que vendredi prochain, après une cérémonie de baptême, permet que petit tout ça soit capable de sceller alliance avec vous pour leur destinée éternelle. Et qu'ainsi, nous tous va réjouir et ciel là va dans contentement. Parce que nous rendons la vie nous à nous-mêmes. Amen. Seigneur, qui ont petite fille, je ne vais pas demander qui ça pour faire. Mais ou même à souhait, selon ton bon vouloir, parce que vous voulez sauver, que vous-même, au cas importuné, juste pour le capable d'entrer dans le chemin du salut. Qui ont petit garçon, après avoir entendu ce message, c'est pour le dire, même j'ai avec Géolia, et pour répondre ça avec Joanny, repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et on va sauver vous-même avec toute famille. Amen. Seigneur, nous disons merci pour nous-mêmes qui déjà dans Belgria, nous nous bénis. Si nous qu'on a marché en tijan, à calap nan pied nous qu'on y a nous mettez botte nous bien serré dans pied nous on marche avec vous jam parce que nous déjà gagné on en bac nous cet esprit là comme coach nous c'est pour nous remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. Demande que capable bénir l'église en prière nos frères et sœurs qui a fait face à des difficultés énormes que vous même capable camper pour voler au secours de vous-même. Yes, vous les roches qui camp qui barre la vie yo casser chaînes qui marre yo et brûler cordes qui entortille et con sa Seigneur, non seulement capable de libérer physiquement, mais aussi capable de libérer spirituellement. Amen. Qui ont famille, qui ont petit, qui ont mari, qui ont madame, qui ont frère, qui ont soeur, les choses ne sont pas bien. Tandis que vous avez petite fille ou ça, petit garçon ça, la vie éternelle, ou dit en bas grâce, la graisse, n'a pas été tant qui choisit à faire pour petit tout. Qui ont petit tout besoin de travail, ou a bali travail là et ou a bali yon travail spirituel là à décision la prend pour vous-même. Amen. Et permet que Seigneur nous soyons tous réceptifs à ta parole
et que nous soyons tous des enfants obéissants à ta gloire. Pardonne, exauce, et s'il te plaît, Père, ajoute pour nous les mots manquants, retranche pour nous les mots de pluie, et permet que prière soit capable de transformer dans langage céleste, et qu'il est capable de monter devant nous comme parfum de bonne odeur. Et nous tous, nous va bénéficier en retour, en abondance, bénédiction sans mesure que vous va déverser sur nous. Fais tout cela pour nous, par grâce. Nous prions au nom de Jésus, le vainqueur des vainqueurs, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit à tous. Et nous allons prêter nous demain soir pour un programme similaire. Ou même en même, à soir, nous allons faire lecture ça pour nous. Dans le psaume 139. Ou à faire lecture ça pour nous dans qui sont moi dit? Est-ce qu'on a une Bible dans la main? Est-ce qu'on a une Bible à caillou? Est-ce qu'on a une Bible à caillou? Ou à lire dans le psaume 139. Ou à lire deux derniers versets, 23 et 24, qui dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que s'il n'a pas la Bible, c'est pour nous. S'il n'a pas la Bible, il n'est pas pour nous. Et nous demandons à Jésus pour nous donner force pour nous prendre toute sa Bible pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. S'il calme mon vétan,
Yeah.
Dans moment ça nous avons un message positif que nous voulons lancer à travers chant ça que nous voulons chanter. Hein? On est tous wow. Je suis wow, tu es wow, on est tous wow. Qui t'aime tout l'important pour capable valoriser tête tout parce que bon Dieu bon valeur. Le Seigneur l'y investit dans vous puisque il bail ville pour vous déjà. Donc pas la peine pour capable pour dévaloriser tête tout, pas la peine pour dire qu'il y a pas rien puisque rêve vous pour qu'on réaliser. Puisque sans souhaiter réaliser, il y a pas qu'on cap réaliser. Mais ou wow dans Jésus ou créé à l'image de Dieu. Qui t'aime tout même si ou ta gain en déformation physique que moun pas ta vle trois amis ou. Qui t'aime ou par rapport à couleur peau moun pas ta trop regarder ou pour rien mais connaît que waouh dans Jésus parce que créé à l'image de Dieu. Moi invitez nous écrit en bas live là je suis waouh. Et si une famille ou que l'autre monde qui a suivre live là ensemble avec vous t'es qu'elle font rien dit tu es waouh. Regardez le félicite ton monde d'ailleurs commencez pour me dire Valentine tu es waouh. Shirley tu es waouh. Cameraman yo waouh dans Jésus. Cherchons monde mais ouais que nous avons écrit en bas live yo je suis waouh. Je suis wow parce que nous créons à l'image de Dieu. Commencez par tête ou valeur et cherchez le monde pour valoriser et qu'on soit grandi dans Jésus. À nous dire ensemble, je suis wow. Pour être doué, tout dit, je suis wow. Wow, c'est une façon pour décrire tête ou pour dire que vous êtes merveilleux ou extraordinaire dans Jésus. T'as des musiques ça avec attention et quoi que wow dans Jésus ou belle, même si vous avez des formations, quel que soit genre, ou wow dans Jésus. C'est wow.
Je suis waouh. On est tous waouh. Je suis waouh. Tu es waouh. On est tous waouh. Ça, c'est pas pour faire violer. C'est en vérité. Parce qu'on crée à l'image de Dieu. Le Seigneur l'investit dans nous. Casse des cailloux toute la journée, toute la journée. Sur le bord des routes et des voies ferrées, et je fais bam bam, et je fais bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Ya la la la, ya la la la. Ya la la la, bam bam. Quand le soleil brille, je suis bien content. Je suis bien content. Sur le bord des routes, je salue les gens. Et je fais bam bam. Et je fais bam bam. Ya la la la, ya la la la. Ya la la la, bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Parfois quand il pleut, je me réfugie, je me réfugie dans de vieilles fermes où j'ai des amis. Et je fais bam bam, et je fais bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Je fais des chansons à n'en plus finir, à n'en plus finir. Je chante mes joies et mes souvenirs, et je fais bam bam. Et je fais bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Ya la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam bam. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, bam 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 bam. La lumière de sa vie.